Allez, c'est à tout le monde, c'est Tazric Perassia, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 612 de notre aventure 100% sur Hyrule Warriors, l'ère du fléau. J'espère que vous allez bien. Écoutez, pour ma part les amis, je suis un peu fatigué comme dans l'épisode précédent, mais parce que j'enregistre plus les deux épisodes à la fois, mais là je suis un peu fatigué aujourd'hui, donc du coup les amis, pour vous, alors souvenez-vous de l'épisode précédent, on avait tout simplement fait notre ex-danger, alors c'était un des ex-dangers de la plaine d'Hyrule, souvenez-vous, donc ça nous fait un des 11 scénarios de terminé dans les combats de spécimens dangereux. Et donc aujourd'hui on va s'attaquer au mont Daphné, dans lequel on peut choisir deux persos. Donc les amis, on va choisir Daruk, hein, précisément. On va bien choisir notre cher ami Daruk. Et on choisira tout simplement gain XP plus 4. Ouais. Voilà. Et on choisira évidemment notre cher Sidon. Voilà. Même si honnêtement je suis en train de réfléchir que ça serait peut-être pas une good news, mais enfin est-ce qu'on utilise vraiment Sidon? Oui, si on veut utiliser Sidon, on va utiliser notre cher ami Sidon. Sidon 5, ah oui, en tout cas à 25 en plus, donc j'aimerais bien tenter d'avoir si possible 40. Voilà. Donc ça, il faudrait tenter de l'améliorer au niveau 30, mais pour le moment, on va garder un petit peu nos rubis. Et du coup, bah, les amis, c'est parti, hein, on va aller du coup dans ce fameux ex-danger mont Daphné. Donc ça sera notre deuxième sur 11. Donc ex-danger mont Daphné, une puissante menace qu'on vous a demandé d'éliminer a été aperçue. Rendez-vous vite au mont Daphné. Donc un mode difficile comme d'habitude. Et donc les amis, en information d'observation, nous avons un linel d'argent. En récompense de victoire, nous avons un diamant brut, 10 boissons de blé, 10 boissons de riz et 700 rubis et une arme. Et un matériau exclusif à ce champ de bataille, nous avons des carottes vigueur, des scarabées armo, des champilames, des venaisons divines et une perche max. Donc les amis, voilà, on va s'équiper Daruk et notre cher ami Sidon, voilà. Donc lui par contre il a pas sa deuxième barre de cœur, c'est ça qui est chiant. Mais bon, j'espère pour l'épisode 700 au moins pas mal de personnes ont leur deuxième barre de cœur complètement rempli, parce que je vous avoue que c'est un petit peu voilà moyen. Après honnêtement ça coûte cher. Au pire on mettra à jour peut-être un petit peu certains de nos persos dans l'épisode 700 aussi, donc ça te permettra d'avancer un petit peu, sachant que c'est très important pour la suite, hein. Vous avez bien vu que là pour les spécimens dangereux on galère vraiment de ouf, donc c'est pas pour rien d'ailleurs, c'est des spécimens dangereux, mais ouais, on galère un petit peu. Alors, let's go, commencer la bataille. Alors, Sidon il va aller à un endroit. Et Daruk il va aller à un autre endroit. Donc on sait que quand même, Daruk gagne beaucoup plus d'XP. Quand même, c'est ça qui est bien. Et, vu que le mode difficile nous fait gagner de ouf de l'XP. Oula, oula, attention. Donc on doit prendre évidemment le contrôle des 4 avant-postes. En fait les alphas ça va en termes de... Après on est un élément haut en même temps, donc mais bon du coup les alphas électriques c'est pas du tout ce que je voulais faire. C'est ça que je voulais viser, j'ai confondu avec Fire Emblem Warriors. Et même Hyrule Warriors du coup. Definitive Edition, allez allez allez. Merci. Tu meurs. Oh, niveau 73. Évidemment très important pour l'unique et bonne raison que pour affronter les et faire tout simplement les missions de combat un petit peu plus haut, on n'aura peut-être pas le choix. Tac tac tac. Allez 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 allez. Wow, on gagne pas mal d'XP, hein. Vraiment, regardez la barre d'XP. Le mode difficile, en plus, vu que c'est un truc qui est en fait de notre niveau, entre guillemets. Du coup, ouais, on gagne beaucoup d'XP. Ah, là-dedans.
Non, y a rien de... y a rien du tout là-dedans. Gobelin d'argent. Oh là. Oh là là, attention. Oh là là, attention. Ok. En fait, les alphas ici sont vraiment horribles. Hein. Voilà, on va calmer tout le monde. Ok. Meurs, merci. Voilà, les alphas, c'est vraiment une horreur. Hein. Ça t'enchaîne de ouf. En plus, c'est des, ouais, c'est des alphas d'argent. Ceux-là, donc... Boum. Allez, 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 allez. Ok. Ah, il nous en reste plus beaucoup à battre. Plus qu'un dernier. C'est bon. Alors, je sais plus où il apparaît le Linel. Donc, on va aller directement là. Directement. Tout simplement. Alors, la petite avant-poste. Okay. Allez, boum. Ouais, vraiment, Daru qui fait très mal. Hein. Toujours, c'est un personnage lourd et tout qui fait de ouf très mal. Hop. Je pense que là, il est mort. Et voilà. Ça serait bien de passer niveau 88 avec Daruk aussi dans cette bataille. À la fin, peut-être certainement, mais ça serait bien quoi. Allez, boum. Adieu. Faut les a tous éliminés. Ah non, il en. Toujours il en reste un. Tac. Allez, go. Boum. Voilà. Oh, belle esquive. Et surtout belle parade. Ok, tu meurs. Merci. Et Alinel est apparu sur le champ de bataille. Putain, j'avais bien, j'avais vu juste. Je m'en suis un petit peu souvenu entre guillemets. J'espère juste que c'est pas la robustesse. Parce que la robustesse c'est vraiment la pire merde hein. J'ai juré J'adore parce que en fait pour qu'il y ait autant d'ennemis ça nous prépare bien pour les coups fatals. Donc ils savent que quand même que en cas de on va utiliser full sang en fait. Alors Linel d'argent, sa vitalité est débordante. Oh putain, donc c'est là à mon avis. Oh putain. Il est pété en vie. Non mais il est pété en vie quoi. Boum. Wow, sa vie elle ne descend pas. Tac. Oh là, attention. Non. Kryonis. Fatal. Allez, 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 allez. Non, 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 sa vie. Oh, sa vie est abusée. Hein. La vie est abusée de ce Linel d'argent. Ok. Ça paraît. Bip. Allez, du coup, let's go. On continue. Allez, go. Ouf. Oh putain, l'esquive. Bon, par contre, la vie, elle est abusée. La vie du Linel d'argent. Non, mais. Oh, attention. Je craignais, hein. C'est ce que je craignais. Hein. La vie du Linel d'argent. Je l'ai dit tout à l'heure. Hein. Je le voulais pas. Là, what the fuck. Oh là là. Mais rien, on fait rien, quoi. On a battu un quart de sa vie alors qu'on a dépensé tous nos trucs. Crayonis. Boum. Oh là là.
Oh my god, oh my god. Faut être partout à la fois. Oh, 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 attention, 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 ne pas se faire baiser là. Ok. Fatal, please. Ça, le moblin de glace, il est éliminé. Ok. Oh là là. Il a un tiers de sa vie. Enfin, on lui a levé un tiers de sa vie. Attention. Un sorcier électrique et ses alliés apparaissent sur le champ de bataille. Again. Attention. Non, 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 non. Pas une good idea, ça. C'est un truc de dingue. Ce combat, c'est un truc de dingue. Oula. Parade. Parade, parade, parade. On va y aller, on va y arriver. Tail. Ouh. Oh. Oh. C'est bon. Et il y a un sorcier à côté. Je l'ai vu. Je l'ai attendu, le sorcier à côté. Ok. Oh my god. Oh, les dégâts qu'il me fait. Non mais c'est une, c'est violent hein. Dégage. Boum. Allez. Allez. Ok, 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 les moblins de foudre. Cancer. Très cancer, les moblins de foudre. Aujourd'hui, très cancer, les moblins de foudre. Ok, coup point faible, merci. Allez, on le baisse un petit peu, mais c'est bon, c'est pas foufou, hein. Faudrait du coup fatal. Ok, toi tu meurs. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. C'est... Deuxième. Attention. Oh, 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 oh. Ok, on est à la limite de la mort. Ok. Boum. On va y arriver, hein. Allez, il manque un tiers de sa vie. Un seul tiers. On a éliminé le deuxième tiers. Non. Allez. Attention. Boum. Ah, Moblin de... Ok, de glace et ses alliés apparaissent au champ de bataille. T'as la vitalité des monstres, c'est une dinguerie. En mode difficile, what the f... Et encore, on n'est pas en mode héroïque apocalyptique. On va en chier, je vous le dis. C'est deux moblins qui sont apparus. Allez, 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 allez. Je prends le perso le plus puissant que nous avons, hein. C'est pour ça que Darouk, je l'utilise beaucoup plus pour le Linel, parce que sinon, on est là encore demain. Hein. Vous avez peut-être le temps, mais pas moi, hein. Je vous le dis. Non. Oh. Oh. Belle esquive. Je l'ai vu lui me mettre un petit coup là. Me défoncer. C'est Netis. Boum. Allez, on continue. Il a un quart de sa vie, même pas. Oh, attention. Ok. Oh putain. Oh. On est à la limite de la mort. Oh, attention, attention, attention. Oh là 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 là, c'est... quelle tristesse. Quelle tristesse. Allez. Oh. 8. Allez. Oh, oh putain. Allez. Putain. On va y arriver, hein. Allez. Ok, il y en a deux qui vont décéder là. Boum. Allez, il manque plus rien pratiquement. Sur les lignes d'argent. Oh, attention, parade. Parade, parade, parade. Ok, il va refaire sa comédie.
C'est Nethys. Vite. Oh putain non. Allez, il est bientôt décédé, il est bientôt décédé. Si on arrive à avoir un dernier coup fatal, c'est bon, hein. On a win. Hein. Ok, on va le brûler un peu. On va le soigner un peu. On va le rebrûler un peu. C'est bon, là il est décédé, non, mais bientôt. Là, toi, il est censé être décédé normalement. Oui, ben voilà, putain. Enfin. On a mis quoi, 15 minutes, je dirais. On va rigoler là. On va rigoler sur le truc. 10 minutes. Waouh, 10 minutes de combat intense. On va 10 minutes. On va dire plutôt 8 minutes, 7 minutes Linel. Oh putain, oh, ça c'est un truc de dingue. Oh oui, 80. Oh oui, 74. Oh yes. Oh, oh les armes. D'où l'intérêt d'améliorer nos armes, hein. Ok. Et la grande boss Foramus. Alors, nous avons un diamant brut, 10 boissons de blé, 10 boissons de riz, 700 rubis, 3 durcisseurs de pharas, une sauterelle endurio, 21 champis lame, 11 carabées armo, 7 carottes vigueur, 18 viandes des ondes divines, 11 perches max, 7 cornes de bocobline, 2 octo, 3 queues jaunes de les alphos, 3 cornes de les alphos, 3 griffes de les alphos, 10 crocs de mobline, 6 cornes de mobline, 2 viscères de bocobline, 3 crocs de bocobline, 2 viscères de mobline, 2 cornes de linel, une viscère de linel, 3 sabots de linel, 8 fagots de bois, d'ailleurs ça va me donner 16 rubis, 187 certificats de bobline, 8 certificats d'octo, 126 certificats de les alphos, 3 rapports d'études de combat, 6 certificats de mobline, 2 rapports d'études de matériaux, 1 certificat de sorcier, 1 rapport de vie des monstres, 1 rapport de spécimen dangereux, et enfin 1 certificat de linel. Alléluia! Mon dieu, c'était compliqué. C'était tendu, hein. What the fuck, man. Bon, bah écoutez, je vais pouvoir m'arrêter là pour aujourd'hui. Alors par contre, moi, j'aurai pas le temps d'enregistrer la suite, hein. Je vous rappelle de la suite de cette aventure. Donc, pour moi, bon, pour vous, ça change rien, mais pour, au cas où, on re-scannera nos amiibo. Donc, du coup, une pire... Ah, merde, c'était le mon Google, alors, qui était... concerné. Donc ok, le dernier là. Donc ça veut dire qu'il faudrait faire celui qui est à gauche en priorité. Non. Ah du coup ça veut dire qu'il n'y en a que deux. Ah oui, il n'y en a que deux. Donc d'abord on fera la grande forêt d'Hyrule vu qu'elle apparaît en premier. Donc voilà, on fera du coup le ex-danger grande forêt d'Hyrule dans l'épisode prochain. Donc écoutez, merci de m'avoir suivi pour cet épisode du coup numéro 612 de notre aventure 100% sur Hyrule Warriors, l'ère du fléau. Voilà, on est à 2 sur 11, hein. Lui on le fera par contre tout à la fin vu qu'il disparaît pas et tout. Lui on peut se le laisser quand on fera les niveaux de conseiller, niveau entre 70 à 80, vous voyez. Ou même à, une fois qu'on aura fini les niveaux 70 à 80, on fera directement le spécimen dangereux en temple oublié. Et après on fera du coup la suite. Mais voilà, donc du coup on va dire en réalité il nous reste plus que 10. Enfin non, en fait on est à 2 sur 10, donc il nous en restera plus que 8 à faire tout simplement. Donc on a du coup la grande forêt d'Hyrule et la forteresse d'Akala, donc deux nouveaux qu'on n'a pas encore fait en mode difficile. Donc voilà, on fera du coup la grande forêt d'Hyrule dans l'épisode prochain. Merci en tout cas de m'avoir suivi pour cet épisode du coup numéro 612, cette aventure 100% sur Hyrule Warriors, l'ère du fléau. Vu que normalement il me semble qu'on peut contrôler deux persos, si je dis pas de conneries. Vu qu'on peut contrôler deux persos, je pense qu'on contrôlera dans l'épisode prochain, vu que c'est la grande forêt d'Hyrule. Pourquoi pas utiliser notre cher ami Noya, hein, directement. Et on fera certainement grande forêt d'Hyrule. On va pas choisir des persos niveau 100 parce qu'il faudrait quand même les faire monter de niveau. Mais on choisira un perso quand même niveau un peu plus supérieur que... Genre peut-être au-dessus de 80, mais le seul perso que nous avons au niveau de, enfin, au-dessus de 80, c'est Terako. Daruk et après il y a Mipha aussi qu'on pourrait. Donc je pense qu'on utilisera certainement peut-être Mipha. Ouais, ça peut être bien. Ouais, honnêtement, je vois bien le truc. Donc Mipha et Noya, comme ça nous permettra de d'XP encore davantage, hein, tout simplement. Donc merci de m'avoir suivi pour cet épisode du coup numéro 612 et on se dit à l'épisode 613. Moi au cas où je vous enregistre ça demain, donc pour vous il n'y a pas de ça il y a aucune importance, mais pour moi oui. Et du coup d'ici là, portez-vous bien, ciao tout le monde. Hey, peace.